Démarrant cette première semaine, de la gouverneure Julie Ngongwa part déjà son retour triomphal à Kalemi après un séjour passé à Kinshasa à l'issue de son élection comme troisième gouverneur élu du Tanganyika le 6 mai dernier. Julie Ngongwa était attendue au pied d'avion ce samedi 18 juin par son vice-gouverneur Masamba Wamasamba Ferdinand à la tête d'une délégation des membres du comité provincial de sécurité et a ensuite reçu ses premiers honneurs militaires de la police nationale congolaise garnison de Kalemi. Elle est alors largement ovationnée par des foules nombreuses venues lui témoigner son soutien indéfectible. Le lundi 20 juin, la gouverneure Julie Ngongwa prend officiellement les rênes de la province du Tanganyika dans une cérémonie de remise et reprise sobre avec le gouverneur sortant, Samba Kayabala. Julie Ngongwa a promis d'ouvrir ses portes à toutes les tendances dans l'intérêt supérieur de la province. Sans se donner du repos, la gouverneure a accordé une audience à la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, accompagnée du ministre national des droits humains. Bintou Keïta est allé annoncer à la chef de l'exécutif provincial la fermeture définitive du bureau de la MONUSCO Kalemi. La chef de la MONUSCO a vivement félicité Julie Ngongwa, qui est devenue le premier gouverneur femme qu'elle a personnellement rencontré en RDC. Le jour suivant, la gouverneure a pris part à la cérémonie consacrant la fermeture du bureau de la MONUSCO. Julie Ngongwa a remercié les Nations Unies pour leur contribution à la pacification et stabilisation. Elle a également rassuré que les services de sécurité et le gouvernement provincial devraient continuer le travail leur reconnu par l'État. Le mercredi 22 juin, la gouverneure ouvre l'atelier sur la compréhension du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, dans la salle de Yvonne Hôtel. Il s'agit d'un programme du gouvernement congolais fondé sur 5 piliers, à savoir la résolution des conflits et cohésion sociale, la restauration de l'autorité de l'État et sécurité, le relèvement et réintégration communautaire, la stabilisation, développement économique et social, ainsi que la communication et sensibilisation. La gouverneure a promis de s'approprier de ce programme avant de formuler son message de sensibilisation sur la paix entre communautés, profitant de la présence des administrateurs des territoires, les chefs de secteurs et chefferies, les chefs des groupements et bien d'autres invités. Le lendemain, soit jeudi 23 juin, la chef de l'exécutif provincial a clôturé cet atelier du PDDRCS. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment dans le sens de la recherche d'une paix durable et le développement des villages et des communautés. Julie Ngongwa a été investie présidente du cadre de concertation du PDDRCS au Tanganyika et l'a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son engagement pour la paix et le développement au Tanganyika. Vendredi 24 juin, faisant de la paix et la sécurité son principal engagement, Julie Ngongwa a reçu les ex-combattants Toa de différents axes. Des échanges fraternels et sans langue des bois ont tourné sur la recherche d'une paix durable dans la province. La gouverneure les a sensibilisés sur l'arrêt immédiat des hostilités pour laisser place au projet de développement et a répondu à plusieurs de leurs besoins, dont la prise en charge sociale et universitaire de certains de leurs frères et sœurs. S'étant sentis considérés par la gouverneure, les Toa ont promis de soutenir celle qu'ils appellent désormais leur mère. Tisma leader wa ex-combattant, tunashukuru sana kwa mheshimiwa liwali wa jimbo letu la Tanganyika kwa moyo mwema wa huruma ambao anakuja nao ndani ya jimbo letu ya kutuita na sisi ili tumsogelee. Kwa hiyo tunasema mheshimiwa gavana, Mungu akutie nguvu na kuzidishia uwezo wa kuongoza jimbo letu. Na sisi watoto wako ya kitwa tutakuunga mkono kwa kutafuta hiyo kazi ya kuleta amani. Le samedi, jour décrété celui de terrain par la gouverneure du Tanganyika, a vu justement Julie Ngongwa sur les chantiers. La visite des chantiers de ce jour part du pont Loubouyé sur le boulevard Lumumba au pont Kitoku sur le boulevard Jikaka. Au pont Loubouyé, la gouverneure voulait savoir pourquoi jusqu'à ce jour ce pont réparé n'est toujours pas remis à la circulation. Les explications lui sont fournies par le ministre sortant des infrastructures et le chef de la mission des contrôles de la CGT. Sur son instruction, ce pont sera remis à la circulation d'ici 3 semaines. Au niveau de la MONUSCO, l'entreposage des gros moellons sur la route dérange la circulation et cela ne plaît pas à l'autorité. Des ordres ont également été donnés pour que l'artère soit dégagée.
au pont Louboui en construction sur le boulevard Jikaka, au boulevard Jikaka lui-même avec l'asphalte qui continue et sur le pont Kitoukou également en construction, la patronne du Tanganyika est descendue s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Partout, elle s'est montrée ferme sur le respect du timing accordé aux travaux pour le bien-être de sa population. Ce même samedi, la gouverneure a clôturé les assises organisées par le ministre provincial de l'Intérieur, Kamona Yumba Dieudonné, avec les administrateurs des territoires, les chefs des secteurs, chefferies et groupements de l'ensemble des 6 territoires de la province de Tanganyika, une première depuis l'existence de la province. Là aussi, Julie Ngongo a sensibilisé ses collaborateurs sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique avec les peuples toits. La communauté Songhe de Kongolo, amenée par le député provincial Oscar Loulou, a rencontré la gouverneure pour des civilités et lui témoigner le soutien inconditionnel du peuple Songhe de Kongolo. On ne pouvait pas garder silence ou faire fi comme si on n'était pas content de la réussite de leur conquête qui a abouti à la positivité. Une première semaine sans repos, une première semaine qui rassure la population du Tanganyika.